So, I think like the bigger question, because you have like uh, these high standards for your man, right? Mm -hmm. What are you prepared to offer him? Well, myself. But like, well, what do you think that you, okay. What would your husband's income be? Like 200,000 plus 200, 250. Probably like a 100K and up. If the average is like 50, maybe like 70 plus. Okay. I guess maybe like, like 80K. Okay. His income should be something close to about 160,000. Mm, I would like to say maybe 100,000 okay. at least. Yeah. I, this is so high, but I guess you'd have to be like a millionaire. <laughs> Waouh, alors ça, je trouve que c'est super instructif. La vidéo, donc, l'intervieweuse elle dit à la fille, ouais, t'as des, des hautes exigences envers les hommes, t'as beaucoup de standards, très exigeantes, mais qu'as-tu à offrir à un homme en retour pour avoir toutes ces exigences Et là, la fille, elle bug, elle bug, et après, elle dit, euh... Moi-même, moi-même. Et puis dans la vidéo d'après, c'est des filles qui disent les exigences salariales qu'elles ont envers leur, leur mari. Il y en a même une qui dit euh, donc 200 000 par an, il y en une qui dit millionnaire carrément, etc. Et on suppose que si on leur avait demandé qu'est-ce que tu aurais à offrir pour avoir un mari millionnaire, eux, moi-même, je pense. Voilà. Donc l'idée ici, c'est de se dire on voit que la fille, elle, elle s'était pas trop posé la question avant. Ok, tu es très exigeante, tu as des tas de critères, tu critiques tout le monde, mais qu'est-ce que toi tu as en retour Et là, bug, bug total. Et, et le pire, je crois que c'est qu'elle dit... Moi-même, c'est-à-dire moi-même, je me suffis pour exiger un mari millionnaire, par exemple. Bon, bien sûr, euh, elle va retomber sur terre, hein, la vie la fera retomber sur terre. Elle n'est elle pas, pas laide, c'est pas la question, elle est même plutôt mignonne, mais qu'est-ce que c'est que cette mentalité incroyable euh, Ça suffit pas d'être à peine mignonne, et surtout, ce que je vais te dire, c'est surtout que. Là, la fille, elle dit moi-même. Et après, tu vas voir, les féministes, elles vont dire euh, Ouais, les hommes, ils ne regardent que pour notre cul. Euh, J'en ai marre qu'un homme s'intéresse à moi que pour mon cul. Euh, nani, nana, qu'est-ce que tu as à offrir moi-même ouais, Sous-entendu, mon corps, quoi. Je suis jeune et jolie, c'est tout. Euh, ouais, ben ça, c'est la société qui leur laisse beaucoup trop penser ça. Par exemple sur Tinder, on Tinder gratuit tout de suite des centaines de likes, donc elles pensent qu'elles ont le choix pour trouver un mari millionnaire, ou alors euh, toujours les boîtes de nuit gratuites, les trucs gratuits à la télé, les femmes ont toujours raison, les hommes sont toujours des porcs, partout 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 en fait dans la société, ça va dans ce sens-là. Et puis un beau jour, il bah, y a un, un, un retour entre guillemets sur terre qui font que, bah, elles ont compris que bah, non, ça suffit pas. Enfin, C'est une condition nécessaire, mais non suffisante, d'être soi-même. Parce que si tu vas par là, le mari, il est aussi lui-même. Alors, il a aussi lui-même à offrir. Et quand tu dis, euh, OK, tu es jeune et mignonne, mais quand tu vois qu'il y a plein de femmes qui exigent un mari qui soit également euh, mignon, donc il est aussi mignon. Donc, qu'est-ce que tu as d'autre à offrir pour avoir un mari qui est aussi mignon, alors si toi t'es mignonne et que lui il est mignon, ça s'annule. Donc, qu'est-ce que tu as d'autres pour être à son niveau tu vois Ben non, raisonne pas comme ça. Son sont mignonnes, donc elles veulent un mari mignon, grand, fort, riche, euh, euh, si ça, ça, machin, le reste. <laughs> donc, en fait, c'est ça le problème. Alors, heureusement, ce n'est pas le cas de toutes les femmes. Elles ne sont pas toutes euh, lavées du cerveau comme ça. Bien sûr, c'est aussi générationnel, je pense. Ça peut être aussi culturel pour certains cas. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez, commentez, partagez.